On se retrouve, on est le samedi 4 février et il est à peu près 9h10 et j'ai rendez-vous à 11h30 chez le coiffeur, mais il faut qu'on parte à 10h30 parce qu'il y a quand même un petit peu de route et comme tu le vois, la texture de mes cheveux sales, enfin que j'ai pas lavé depuis une semaine, est un peu atroce. Je vais essayer d'arranger ça comme je peux, mais ma frange, c'est un peu compliqué. Le coiffeur, on y reste au moins 3 heures. Voire 14, ça dépend du travail qu'il y a. Là, je pense qu'il y aura quand même pas mal de travail parce que tu vois, la couleur rouge est quand même bien restée. Je te montre. Au niveau des racines, c'est presque pas parti. La seule chose qui a changé au niveau des racines ici, c'est que c'est moins fluo que quand ça avait été posé. Mais sinon, la couleur est bien restée. Après, les mèches ici sont quand même plus décolorées. Mais pour autant, si tu regardes ici, à l'arrière, ça n'a pas forcément plus décoloré que ça. Alors que ça fait un mois et demi que j'ai la teinture. Ouais. La coloration. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo, je me suis maquillée et je suis trop contente de mon maquillage d'ailleurs. Et je trouve qu'il va bien avec ma couleur de cheveux, mais on va changer ça. Je vais revenir à mon split hair parce que c'est ce qui nous définit le mieux, je trouve, c'est ce qui nous va le mieux et j'ai envie de ça. Évidemment, le violet, et c'est un violet foncé de chez Arctic Fox, c'est le Purple A. Et pour moi, ma couleur préférée, le rose foncé, c'est le Virgin Pink. Donc on va appliquer ces deux couleurs en split hair, donc chaque côté et bien sûr la frange aussi sera coupée en deux, chaque côté sera deux couleurs différentes. J'espère que ça te plaira, je suis trop contente. Donc voilà, on va y aller, il est 11h15 donc on doit se presser, on va y aller tout de suite, je t'emmène avec moi, à tout de suite. Il n'y a pas grand chose. Après, il y a une friterie dans la rue. Moi, ouais, peut-être. Des sandwichs aussi. Hein. Moi, ouais, ce sera plus simple. Pour des frites. À côté aussi, je crois. C'est fermé le samedi. Ah. Au safran, là. C'est fermé juste le lundi, ouais. Ben oui, je sais pas, saucisse. Il y a des trucs. Ça dérange pas si on va manger là. On va faire attention. Non, ah, non, non, non. Bah super, voilà. Après tu sais ce que j'aime pas, donc peu importe ce que tu prends là, j'ai faim. Bon week-end. Oui, bah ouais, bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao Chloé, au revoir. Tu vas mettre, tu sais, la décolo sur... Ouais, mais le pas rouge, tout de suite. Pas tout de suite. Je vais d'abord éclaircir la racine foncée. Ouais.
Et je vais en... Ouais, obligé. Hein. Bah oui. Hein. Bah ouais. Le rose, il va pas passer dessus. Hein. Même le violet, ça prend un reflet bizarre. Ouais, non, ça passera pas de toute façon. Non. Le rouge, c'est vraiment la couleur la plus compliquée. À... Ouais. Ouais. Bah on voit, hein, c'est celle qui a le plus ouais. tenu. Ah, le rouge, c'est ouais, quelque chose. Hein. Pour toi, ça fait un mois et demi hein, que j'ai. Ouais. Donc, comme les précédentes. Oui, ouais, ouais. ouais. Ah, le rouge, c'est compliqué. Hein. J'ai c'est beau, essayé. Mais pour enlever, ouais. C'est j'ai essayé, mais je pense que je referai plus justement ouais. parce qu'on peut pas trop changer de couleur. Ouais. Après, ça va, tu l'as fait qu'une fois. Ouais. Normalement, ça devrait partir. Mais c'est vrai que quand on fait plusieurs fois, après, c'est super compliqué. Donc... Puis ça va, j'ai quand même pris des couleurs ouais. relativement pigmentées. Ouais. Moi, je vais mettre un petit peu de cellophane. Ouais. Et après, je ferai les longueurs. Hein. Ok, super. Thank you.
Thank you.
On se retrouve à l'appartement et voici le résultat terminé de ma nouvelle coupe de cheveux. J'ai choisi un speaker rose fuchsia et violet, assez profond, mais en caméra il paraît un peu plus rose. En fait il est vraiment couleur comme le cœur ici et l'inscription amour sur mon sweat. C'est vraiment cette couleur là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la lumière qui fait que ça reflète plus les tons rosés que violet. Profond, un vrai violet. Je suis trop contente de cette nouvelle coupe de cheveux. Et comme je suis allée chez le coiffeur, toujours le même, toujours incroyable. C'était pas Manon cette fois-ci, c'était Océane qui m'a coiffée. Mais c'était super aussi. Vu que j'allais chez le coiffeur, j'en ai profité pour demander de faire des boucles. Parce que moi, je sais pas les faire tout seul. Je me tente pas et en même temps, je pense que j'ai pas non plus le temps. Donc, quand je vais chez le coiffeur, je demande à faire des boucles. Je trouve que ça fait super beau. Forcément, la décolo, ça va être un peu plus abrasif pour le cuir chevelu. Je vais mettre de l'huile en fait sur mon cuir chevelu et puis faire un soin. Ça fait pas de mal. J'avoue, j'aurais dû faire la conclusion de cette vidéo le soir quand on est rentré, mais j'étais crevée. Je fais l'intro après quelques jours. Donc c'est pour ça que je te disais que je vais faire des soins autant pour le cuir chevelu que pour les longueurs et puis me laver les cheveux demain. Du coup les boucles seront parties, ce sera tout raide, tout plat, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas je suis trop contente de retrouver mon split hair, ça m'avait manqué. Vraiment le split hair c'est je trouve ce qui me va le mieux. Comme d'habitude j'ai utilisé les produits de chez Arctic Fox. Donc cette fois-ci j'ai utilisé deux couleurs évidemment. Pour le côté rose c'est la couleur Virgin Pink, c'est vraiment mon rose préféré. Il est à la fois profond, puissant, fluo et assez foncé, mais il y a la lumière qui fait que en fait ça ressort pas un rose foncé mais plus un rose fluo et magenta je dirais. Et du côté violet j'ai pris la teinte Purple Half. C'est un violet qui est plus dans les tons rosés que les tons bleutés, déjà parce que c'est un sous-ton qui tient mieux sur les cheveux et en plus bah, comme j'ai mis du rose de l'autre côté, comme ça avec les shampoings et les couleurs qui dégorgent ça va pas faire trop moche. Et en même temps, bah, c'est un violet qui est un peu plus foncé. Tu vois, sur la bouteille, on voit plus que ça ressemble à la couleur de mon
cœur ici. Tu vois comme quoi la lumière sur un poil, puisque les cheveux sont des poils, la lumière se reflète vraiment dans les poils, donc les cheveux. Et même si la couleur ne change pas, le résultat, le reflet change un petit peu. Du coup, c'est pour ça que peut-être là, il y a une petite différence de couleur, mais en soi, ce qui change, c'est vraiment à partir du moment où il y a la lumière qui reflète dessus, ça fait beaucoup plus clair et rosé que sur la bouteille par exemple ou sur mon pull. Mais quand tu regardes un peu plus ici où il y a moins de lumière qui accroche, tu vois en fait la couleur plus foncée ressortir, et c'est vraiment la couleur de mes cheveux, pas en vidéo et pas en plein sur la lumière. Je sais pas comment expliquer. Vraiment le reflet de la lumière change les sous-tons des cheveux, et ça je trouve que c'est trop beau. Donc voilà les deux couleurs favorites que j'ai appliquées sur mes cheveux. Je suis toujours évidemment extrêmement contente du salon dans lequel je vais. Ils sont super sympas, et à la fin c'est vraiment retrouvé à quatre, genre mon compagnon et moi, et du côté des coiffeurs il y avait Océane qui me coiffait, et un autre jeune homme, je sais pas si c'était un stagiaire ou un nouvel employé, enfin quelqu'un que j'avais jamais vu d'ailleurs. Et franchement on avait bien rigolé tous les quatre. Je pense que c'était aussi plus détendu vu qu'il n'y avait pas d'autres clients. En tout cas toujours positif les réactions, donc franchement je suis trop contente. Et j'ai l'impression de me retrouver enfin, d'avoir à nouveau ma tête, parce que en fait il y a eu vraiment beaucoup de travail sur la décoloration vu qu'il y avait du rouge avant et qu'il y avait pas tant décoloré que ça, juste sur certaines mèches devant ici par exemple qui étaient quasiment rose pâle, mais toutes les autres mèches, surtout par exemple à l'arrière, en dessous ou près des racines aussi, ça avait bien pris, c'était encore bien bien rouge. Donc du coup Océane elle a passé un temps fou sur la décolo à bien masser pour enlever le plus possible, et ça faisait une couleur un peu orangée, couleur feu. On a croisé les doigts pour que vraiment les couleurs prennent vraiment bien dessus. Le côté rose, pas de problème. Je pense aussi que c'est parce que orangé, rose, c'est vraiment des couleurs assez proches. Mais par contre, du côté violet, en bas, comme tu le vois, ça a pris un peu moins bien la couleur. On n'avait pas mis de décolo sur les pointes. C'était là où il y avait le moins de couleurs. Mais en même temps, du coup, ça a peut-être moins accroché. Donc, je pense que la prochaine fois, ce sera bon. Donc voilà pour cette vidéo transformation capillaire. Là, on peut vraiment parler transformation capillaire encore une fois. Je suis vraiment trop contente. J'espère que cette vidéo t'aura plu aussi. N'hésite pas à la liker et la commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!